Bonsoir. Je suis content d'être avec vous ce soir, à distance, pour célébrer cet événement, le 20e anniversaire de la Cité de l'Espace à Toulouse. Je veux profiter de cette occasion pour rendre hommage à tous les bricoleurs et bâtisseurs de télescopes et de sondes spatiales qui ont profondément influencé notre vision du monde. Grâce à eux, l'astronomie nous donne à voir le ciel dans toutes ses dimensions. Elle peut aujourd'hui nous renseigner sur notre position dans l'univers. Nous apprenons comment des événements qui se sont passés il y a des millions, voire des milliards d'années, à des distances qui se mesurent en milliers, voire en millions d'années-lumière, nous ont permis de venir au monde ici et d'exister. Elle nous raconte comment des collisions de galaxies, des explosions d'étoiles ont donné naissance aux atomes dont nous sommes constitués. Comment des chutes d'astéroïdes ont frappé notre planète où la vie a pu apparaître et se complexifier pour donner naissance à l'intelligence et à la conscience que nous avons reçue à notre naissance. Ce sont tous ces événements que je suis content de célébrer aujourd'hui avec vous à l'occasion de ce 20e anniversaire de la Cité de l'Espace.